Salut, c'est Yoran. Comment vas-tu? Quelle heure est-il? C'est l'heure de la pensée du jour. Alors je te propose de prendre quelques instants ensemble pour méditer. Et aujourd'hui, je voudrais t'encourager. La pensée du jour se trouve dans Hébreux chapitre 3, verset 13. Aujourd'hui, Dieu continue à vous appeler. Alors, chaque jour, donnez-vous du courage les uns les autres pendant que vous entendez cet appel. Ainsi, le péché ne vous trompera pas et parmi vous, personne ne refusera d'obéir. Le discours aux Hébreux, puisqu'il s'agit d'un discours, s'adresse à des personnes découragées, démoralisées dans les difficultés. Et ce que j'aime dans ce texte d'aujourd'hui, permets-moi de te le faire remarquer, c'est que le texte parle dans les difficultés, des appels de Dieu. C'est-à-dire que c'est quand tu te trouves dans les difficultés qu'il faut arriver à percevoir les appels de Dieu. Or, c'est justement dans ces moments-là que l'on a du mal à les entendre. Qu'on a l'impression que Dieu n'est plus là, qu'il n'est plus avec nous. Et j'aime, je l'ai dit, cette idée du Dieu qui, même dans tes difficultés, alors que tu es complètement pris ou perdu même, qui continue à t'appeler. Il faut juste que tu parviennes à entendre ces signaux que Dieu continue de t'envoyer. Le danger, c'est que si tu ne parviens pas à les entendre ou à les voir, bien que tu sombres dans le découragement, puis dans l'incrédulité, et puis ensuite dans la rébellion, et que finalement tu te retrouves à pécher contre Dieu. Alors aujourd'hui, je te propose, particulièrement dans les moments difficiles, que tu continues à être attentif aux appels que Dieu continue de te lancer, même lorsque tu es dans la tourmente. Tu apprécies la pensée du jour? Alors, abonne-toi, comme ça tu n'en rateras aucune. Tu peux aussi les partager, comme ça d'autres en profiteront comme toi. Allez, rendez-vous dès demain pour la prochaine pensée du jour.